premier match officiel de la phase 2. Ça fait un mois qu'on n'a pas joué. Je vais revenir rapide sur la phase 1 parce que je pense que c'est bien de faire un point ensemble. Parce qu'elle est un peu décevante dans le sens où avec Théo on sait de quoi vous êtes capable les gars. On sait le niveau que vous avez. On sait que vous n'êtes pas des peintres. Vous savez qu'il y a moyen de faire quelque chose. Nous aussi on sait que vous avez moyen de faire quelque chose. Mais c'est à vous de mettre les ingrédients pour. Ça va passer par, comme je l'ai marqué sur le tableau, esprit d'équipe et collectif. Vos matchs seront beaucoup plus simples. Et franchement, on prendrait beaucoup plus de plaisir déjà à jouer ensemble.
Ok. Bah, t'as les grands bras. Essaye de maintenant de décaler tes jambes sur le côté. Vraiment de pivoter. Ok, okay, je reste pas au sol. Si, mais en gros, là ce que tu me fais c'est bien, mais tu fais, c'est juste ton buste qui décale. Essaye vraiment de. Comme si tu plongeais. Vraiment décalé. Vraiment tu plonges. En tu gros, plonges en fait, mais c'est... en étant assis quoi. C'est-à-dire, en fait c'est juste mes fesses elles sont là et en fait c'est. Ouais, regarde, moi j'ai mes jambes là, mes jambes elles sont collées au sol. Enfin mes pieds, et après je décale et je reviens. Et c'est mes fesses qui pivotent. En fait je vais tourner sur mes fesses, ok? She want me to lock it down, but I told her to pass the key. Super, très bien. You gotta slow it down, girl, you move too fast for me. Super. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop. Super. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, but drop kick. Là, c'est simple. Si je te dis bleu, tu touches bleu et tu te replaces sur la ligne, ok? Vas-y, bleu. Tac, ok, et toujours prêt à recevoir, tu sais pas ce qui peut t'arriver dedans, ok? Là, si tu touches bleu, frappe, ok. Non, mais je dois t'expliquer avant, c'est moi. Si tu touches bleu, je te frappe tendu dans les mains, ok? Rouge là, tu touches, tu te remets là, refrappe dans les mains, ok? On reste que sur des frappes tendues pour le moment, ok? Jaune. Came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Yeah, ooh. I'm moving faster than lightning. I can't close on my eyes, too excited. It's the fruit of what you get for trying. Prends ton temps, ça te précipite pas. Tu feras plus d'erreurs en te précipitant. Bleu, voilà, super. Bleu, tu t'avances juste. Bleu, voilà. Super. Jaune. Oui, super. Voilà. Prends bien le temps de la redonner. Super. Des fois, je vais te répéter les choses juste pour que tu l'aies dans le crâne. Ça ne veut pas dire que tu fais mal l'exercice. Ok? Vert. Bien. Rouge. Oui, super. Jaune. Oui, super. Ouais, bien. Rouge. Oh non. C'est bien, si. Pourquoi tu dis oh non? Parce que c'est parti tard et que... C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Super. Jaune. Super. Très bien. Prends le temps de te relever. Non. Allez, présente-toi. Super. Rouge. Oui, bien. Super. Jaune. Super. Bleu. Bien joué, super, la main ferme, très bien. Rouge. Non, rouge. Ouais. Super. Ok, tu vas, tu t'avances pas, tu te présentes pas. Mais par contre, sur les autres, tu dois être dynamique, toucher et revenir directement parce que tu sais que ça va être de l'autre côté. Ok, t'as compris? Bleu, je reste sur ma vie. Ouais, c'est ça. I spent it all last night, said I'm good to go. Only if the bag right. Entraînement de ce soir, bon, comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas nombreux. Vous remercierez les gars, mais groupe 2, vous deviez faire qu'un groupe et groupe 1 devait faire l'autre groupe. Au final, on va faire qu'un groupe, ça sert à rien de faire plusieurs groupes. Ce soir, ça va être, je pense, si vous le faites bien, ça peut être l'entraînement le plus dur que vous ayez fait depuis le début de la saison. Non, vous allez faire une conservation du ballon au départ pendant 10-15 minutes pour vous chauffer correctement. Donc mettez de l'intensité pour être bien chaud comme il faut. Ensuite, vous partirez sur un exercice qu'on vous expliquera en temps et en heure. Renforcement musculaire et match. Bye.
exercice, si vous le faites bien, vous allez travailler. Nathanaël debout. L'exercice, vous avez 20 secondes pour aller là-bas, à l'autre ligne blanche, et 10 secondes de repos. C'est, on le fait, on fait 5 séries de 5. Si on voit que vous ne travaillez pas, les gars, on rajoutera des séries. Pour ceux qui ne travaillent pas. Non, pour tout le monde, vous êtes un groupe, vous êtes une équipe. Le footing, c'est un conduit de balle. Tout le monde a compris ? Ouais. Ok. Hein ? Si, il s'échauffe et qu'il court vraiment. Si on voit que c'est trop facile, t'inquiète pas, on baissera. Là, on va arrêter de rigoler. Là, ils vont vraiment avoir mal aux cuisses. Là, demain matin, ils vont se lever. Ils vont... Comme ça, là. Et du coup ? Il n'y en a pas un qui est soufflé. Non. Parce que c'est pas... Je pense que c'est pas... Mais non. Il faut qu'on leur fasse faire... 10-10. 10-10 et tu le fais 6 fois. Et tu fais que des blocs de 6. Ouais. Tu cours 60 secondes. Et que sur des sprints, moi j'aurais même fait ça. Ouais, mais à la base on devait faire deux groupes. Non, on devait faire deux groupes de base. Oui. Bah, après, moi je suis un gros torsionnaire. Mais... Bah, franchement, moi je suis d'accord avec toi. Mais déjà là, je pense que demain matin, comme je t'ai dit, ouais. Ça va piquer, mais... Là, vous n'allez pas me dire que vous avez été soufflé. On est d'accord. Vous n'avez pas travaillé. Donc là, vu que les trois quarts. Mettez moins de 10 secondes pour aller jusque là-bas, on passe en 10-10. 10 secondes pour aller là-bas, 10 secondes. Vous faites 3 allers-retours. Là, vous faites 6 accélérations. Ça vous fait travailler 1 minute. Ok ? Non. 10 secondes pour aller, 10 secondes de repos, 10 secondes pour aller, 10 secondes de repos, et ainsi de suite. Ok ? Et ça, suivant. Et ça, suivant comment vous travaillez, on verra combien de séries on fait. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me, nah. Don't test me. Yo. They wouldn't let me. Nah. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me, so don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me. You don't impress me, so don't test me. Nah. So don't test me. Nah. Don't test me. On va faire 30 secondes sur le ventre. On enchaîne sur 30 secondes sur la gauche et 30 secondes sur la droite. Et on pose pas entre chaque. En position gainage. S'il y en a un qui pose, je rajoute 30 secondes. Don't test me. You don't impress me. So don't test me now. So don't test me now. Don't test me. 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 Test test me. Yo. Don't test me. Catwalk, do your thing, show your bling, make it look good on a catwalk. Destroy your stuff on a catwalk, do your thing, show your bling, make it look good on a catwalk. Like the way I feel in my gums, make it look good, I don't need no charms. They like this attack, cause it looks fire, I'm calm. I got everybody ringing the alarm. Ringing the alarm. Take one step, they all get a sore neck. Dripping in heat from my head to my crew.
track. Dripping in heat from my head to my head to my breath. Now she wanna strip me down. CK, I'm a boxer, she get a beat down. Lingerie haunting me, she wanna bounce on a real OG, never see him around. In it for thrills, ain't in it for the clowns. She wanna be the king and queen and wear crowns. They can try hide me, you can find me. Even when I blend in, man, I still stand out. Destroy your stuff on a catwalk. Do your thing, show your bling. Make it look good on a catwalk. Make it look good on a catwalk. Destroy your stuff on a catwalk. Do your thing, show your bling. Make it look good on a catwalk. Make it look good on a catwalk. Destroy your stuff on a catwalk. Do your thing, show your bling. Make it look good on a catwalk. Bon, match contre Vivi aujourd'hui. Je vais faire un petit retour sur le match de la semaine dernière parce que c'est important, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont déplu avec Tintin, même avec que Val a vu, qui sont pas plaisantes à voir. C'est surtout concernant le comportement, parce que je pense que c'est important ce qui s'est passé et que ça a rien à faire sur un terrain. Le prochain coup qu'il y aura des comportements comme il y a eu le week-end dernier, il y aura des sanctions qui seront prises, les gars. Nous, on va pas se casser le cul à avoir froid là pendant tout l'hiver avec des gamins qui s'insultent, qui s'encouragent pas, qui font n'importe quoi pendant le match parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils sont frustrés. Surtout engueuler des gars qui font des bons matchs, ça j'accepte pas du tout. Donc les prochaines fois qu'il y aura ça, il y aura des sanctions, donc vous êtes prévenus. Et puis voilà, c'est tout. C'est juste ce petit mot-là que je voulais passer pour la semaine dernière. Et bien sûr, ne pas refaire le même match que la semaine dernière, parce que ça a été très très compliqué. On n'était que 11, certes. Sauf que on n'a pas montré le visage qu'on aurait dû montrer. On a fait tout l'inverse de ce qu'on devait faire. Donc là, les gars, on joue les derniers. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient fait et puis je m'en contrefous. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on gagne tous nos matchs jusqu'à la fin de la phase. Donc ça passe par une victoire aujourd'hui. Et puis des victoires la semaine prochaine, la semaine suivante et puis jusqu'à la fin de la phase. C'est tout. On doit pas perdre. Ou ni faire nul ou quoi que ce soit si on veut gagner. Ok ? Donc aujourd'hui, on va commencer en 3-5-2 comme d'habitude, on reste en 3-5-2, on bouge pas. Donc Matisse dans les buts. Matisse, j'ai rien à te reprocher sur la semaine dernière. T'as fait ce que t'avais à faire. Tu prends 4 buts, t'en prends 2, pleine lucarne. Si tu les sortais, je sais pas ce que tu foutais au Ponce. Donc honnêtement, t'as fait ton job. Maintenant, c'est pas grave, hein. On en prend 4, c'est comme ça. Nathan, tu joues dans l'axe. Tu commences dans l'axe, tu vas pas faire tout le match dans l'axe, ok? Tu commences dans l'axe parce que Sacha n'est pas là et que quand Léo avait ses crampes contre Estanjou, Tintin t'a mis là, t'as fait ce qu'il y avait à faire, donc c'est pour ça qu'on te met à ce poste là. T'es un peu le joueur qui peut jouer partout, donc on en profite et puis tu montres des bonnes choses, donc continue comme ça, ok. Léo, tu prends la place de Thibaut pour commencer le match. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, on inversera avec Sacha quand il reviendra. Léo, continue ce que tu fais depuis 2-3 matchs. C'est parfait. J'ai pas d'autre chose à te dire. Dans ton comportement, tu dis rien. Tu te replaces. Quand tu fais une faute, tu t'excuses. J'ai rien à te dire. Après, peut-être que Tintin aura des choses à te dire tout à l'heure. Je sais pas. Clément. Clément, tu vas faire comme tu fais d'habitude. C'est-à-dire, dès que tu vois la balle, soit tu la distribues, soit tu tapes devant. Pas plus, pas moins. Si tu fais une faute, si tu subis une faute, tu la fermes. Tu parles pas. C'est la seule chose que je te demande. Et puis après, ça se passera bien. Hein. Ok ? Antoine, retour d'Antoine. Il est où ? Il est là. Retour après sa petite absence de 2 semaines. Antoine, aujourd'hui on va compter énormément sur toi, sur ta prise de vitesse, ta technique, le fait que tu distribues, tes retours, le fait que tu sois présent en 90 minutes, ça va être important pour nous. Fais ce que tu sais faire, te complique pas la vie, ça sert à rien, tout simplement, ok. Enzo, Linzo au milieu, 6-8,
Vous commencez à avoir fait 2-3 matchs ensemble, vous commencez à peu près à voir comment l'autre joue. Le seul truc que je vais vous demander, d'être un peu plus présent physiquement. Maintenant, ça va être présent physiquement à votre niveau, bien évidemment. Pas présent où je mets des brins et puis je fais faute. Juste, je me mets derrière, en opposition, et puis après, on les fait reculer, ok? Pas plus. Si je joue à un 10, un 8 qui joue haut, bah, Linzo, tu prends le 10, Enzo, tu prends le 8, ok? Et puis si vous voyez que c'est un peu trop compliqué, bah vous inversez, mais je veux que vous communiquiez un maximum ensemble, ok? Maxence, c'est pareil, on va jouer sur ta vitesse. On a la chance d'avoir deux pistons qui font les allers-retours pendant 90 minutes, donc on va en profiter, donc fais ce que tu sais faire. Si tu sens que tu peux frapper, bah frappe. Et sinon, essaye de centrer un maximum, repique dans l'axe si tu peux. Sinon, tu vas, t'avances un maximum. Tu centres, tu te replaces, ok? Ilyes, là aujourd'hui je vais te demander de faire un peu plus que la semaine dernière. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Ne serait-ce dans tes déplacements. Là tu vas être au cœur du jeu là. Tu vas jouer un poste que je pense tu apprécies plus que 6. Nous ce qu'on va te demander, c'est de faire les retours défensifs, mais pas non plus revenir jusqu'au niveau des défenseurs, mais au moins venir faire chier le 6 qui, si, dès qu'il a le ballon, je veux que tu sois sur son cul, pas plus. Tu le fais chier, tu le fais reculer, sinon tu récupères la balle, tu distribues. Je veux pas que tu fasses des gris-gris, des dribbles qui servent à rien. Je veux que quand tu as le ballon, tu passes, tu te déplaces. Déjà d'une, tu vas moins t'essouffler et de deux, tu seras bien plus performant. Ok? Et si pareil, si tu sens que tu peux frapper, frappe. Ok? Léandre. Léandre, tu repasses 9 parce que bah du coup Sacha, ça a un peu contrecarré ce qu'on avait prévu au départ, mais de base tu devais jouer 10 et puis Ilyes, on aurait vu où est-ce qu'on te mettait. Parce que la triplette Nathan et puis toi en 10, ça fonctionne très bien, donc je vois pas pourquoi on l'aurait changé. Maintenant Sacha n'est pas là, on a dû changer un peu, donc tu retrouves un poste que tu connais, auquel tu as joué depuis le début de saison. Et bah fais ce que t'as à faire, je pense que t'as plus trop mal au pied, t'as plus même plus mal au pied, donc bah présent physiquement, tu mets de l'impact. Dès que t'as le ballon, soit tu regardes un côté, soit tu regardes Nathan qui sera sûrement seul ou peut-être pas, ou même Ilyes. Quitte à faire un tour, les gars, jouer un maximum en jeu en triangle, on le travaille assez à l'entraînement. Et je veux voir ce qu'on a travaillé à l'entraînement jeudi. À la fin, ça commence à être bien. Donc servez-vous-en, ça va être utile pour toute la saison, ok? Donc Léandre, si tu dois trouver Ilyes, parce que Ilyes est tout seul, bah hop, tu fais la passe, qui va décaler sur Nathan, et puis Nathan peut-être qu'il va redécaler sur toi. Et puis vous allez faire tourner comme ça, vous allez faire chier en fait à faire ça. Ok? Et puis bah comme je t'ai dit, si tu peux frapper, tu frappes. Hein. On va continuer sur cette lancée où tu marques bien souvent, donc profites-en. Joue là-dessus. Nathan... Bah c'est simple, je joue tout l'inverse de la semaine dernière. Pas plus, pas moins. La semaine dernière, t'as fait un match où t'as plus passé ton temps à gueuler qu'autre chose. T'as pas eu le comportement d'un capitaine nous, on attend un certain comportement d'un capitaine, là t'as eu tout l'inverse. Je veux que tu fasses tout l'inverse et que tu nous montres que tu mérites de l'être, tout simplement. Parce que... Là, pour moi, t'as tout sauf l'étoffe d'un capitaine actuellement. Avoir des comportements comme ça, à gueuler sur tes coéquipiers, alors que l'erreur ne vient pas de lui, vient d'un autre. Je trouve pas ça logique. Dans tes déplacements, dans tes prises de balles, arrête de faire tes gris-gris qui servent à rien. Tu passes, tu contrôles, tu te déplaces, pas plus. Ça sert à rien parce que si tu passes et que tu te déplaces, tu vas créer la merde dans la défense, tu vas foutre la merde. Donc, t'es pas quelqu'un qui est hyper rapide, mais t'es quelqu'un qui est technique. Donc, profites-en. On l'a vu contre Estanjou, il t'a suffi d'un contrôle, t'as mis ton défenseur dans le vent. Donc, pourquoi à chaque fois tu vas vouloir faire des gris-gris, ça je sais pas, il y a que toi qui sais, mais je veux plus le voir. Ça sert à rien et puis en plus de ça, tu vas t'essouffler pour rien, tu tiendras pas 90 minutes. Naoufel, Sacha qui n'est pas là et Enzi sur le banc. Enzi, tu vas rentrer rapidement. Naoufel, c'est pareil.
On va énormément faire tourner aujourd'hui. Enfin, énormément, je me comprends, mais on va faire tourner pas mal. Parce que bah, on veut voir des choses. Maintenant, si le score est favorable pour nous, bah, on va en profiter. On fera tourner un peu plus. Si le score n'est pas favorable pour nous, bah, on fera tourner un peu moins. Mais tout le monde jouera. Il n'y en a pas qui joueront moins d'un certain temps. Maintenant, le temps, on ne peut pas vous le garantir combien de temps exactement. Donc, je vais commencer par les points qu'il a notés. Donc, collectif et esprit d'équipe, je pense que vous le voyez tous les week-ends. Malheureusement, on le voit toujours pas. C'est quand même assez triste, je trouve. Si on le voit quand on gagne 5-0, 6-0. Mais dès qu'on est un peu en difficulté, il n'y a plus aucun esprit d'équipe. Et je parle même pas des entraînements, parce que les entraînements, c'est encore plus aberrant. Mais bon, s'il vous plaît, faites vraiment l'effort sur ça. Parce que la base du football et d'une victoire, elle passe vraiment par ces deux points-là. Collectif et esprit d'équipe. La communication, c'est pareil, vous le voyez tous les week-ends. C'est pas, la communication, c'est pas se dire c'est bien ou s'engueuler. La communication, c'est je fais une passe, je préviens mon coéquipier. Si ça vient à sa gauche, ça vient dans son dos. On peut féliciter aussi, ça fait partie de la com. On n'engueule pas. Parce que plus vous allez vous engueuler, plus vous allez vous prendre la tête entre vous, plus vous allez vous prendre la tête entre vous, plus vous allez sortir de votre match. Plus vous allez sortir de votre match, moins on a de chances de gagner. J'ai rien d'autre à rajouter. À part, je veux du sérieux, énormément. Parce qu'on a fait une erreur le week-end dernier. Ça arrive. Mais il faut se relever maintenant et aller et se remettre dans le droit chemin. On n'a pas encore une seule défaite, ni un seul nul à domicile. J'ai pas envie que ça arrive aujourd'hui. Ok ? Oui. Allez, gars, échauffement. J'ai beaucoup de colère. Allez, gars. Oh là là, je sens déjà le froid arriver. Putain. Thank you.
Les gars, bonne première mi-temps dans l'ensemble. C'est bien ce qu'on propose. Maintenant, on n'a pas été décisif. C'est ce qui est dommage. Je vais revenir sur 2-3 petits points qui me dérangent un petit peu, mais après c'est que du, on va dire que du plus à corriger. Quand on a le ballon sur le côté, je vais dessiner comme ça, ce sera plus simple. Quand on a le ballon par ici, quand Nathan, tu décroches, que tu viens chercher le ballon sur le côté, constamment, tu vas chercher à rentrer dans l'axe, puis ensuite l'envoyer de l'autre côté. C'est bien de le faire 2-3 fois, tu vois, mais essaye d'alterner entre tu balances de l'autre côté et t'envoies en profondeur le gars qui est là. Oui, non mais oui, mais je te demande juste de le faire un peu plus, ok? Quand c'était de l'autre côté, c'était la même chose. Mais il faut qu'on cherche un maximum à gauche sur Naofel. Naofel, il est tout le temps tout seul. Tout le temps. Les défenseurs l'oublient constamment. À chaque match, c'est la même. Donc il faut vraiment jouer un maximum avec ça. Et balancer moins, les gars. Balancer beaucoup moins, que ce soit la défense ou même au milieu. Balancer moins, jouer beaucoup plus à terre. Chercher des relais. On travaille le jeu en triangle, on le travaille sur un terrain qui est vraiment pas bien. Donc sur un synthétique, vous devez le faire sans problème, ok? Cherchez ça un maximum et vous allez voir, ça va aller beaucoup plus facilement. Les ballons, ils vont venir plus facilement dans vos pieds. Vous allez trouver les espaces bien plus facilement et vous allez voir que ça va... Justement, ça va créer du décalage, donc ce sera bien mieux, ok? J'ai rien d'autre à ajouter à part ça. Moi j'ai bien aimé la première mi-temps, à part qu'on frappe pas assez à mon goût. Après, il y a toujours un défenseur qui est devant vous, donc maintenant. Devant, on a eu des très bonnes occasions, les gars. Il faut qu'on continue. J'ai apprécié, ça s'est encouragé devant aussi derrière, donc c'est très appréciable. Donc continuez comme ça. Soit vous... On joue jamais ensemble, j'ai l'impression. Genre, il n'y a aucune passe. Vous faites pas tourner le ballon. Oui. Parce que vous... Ça casse couille. Bah vous tournez pas parce que peut-être vous avez trop peur de faire une erreur, je sais pas les gars, mais c'est pareil, derrière communiquer peut-être un peu plus. Quand ça vient ou pas. Là les gars, t'as pris le temps pour la mi-temps? Vas-y, en première phase. Il reste combien de temps? 9 minutes. Les gars, s'il vous plaît. Les gars. Là, on va faire deux petits changements. Ilyes, tu vas venir souffler un petit peu. Tu vas re-rentrer pendant la mi-temps, t'en fais pas. Léandre, tu vas venir souffler aussi. Enzi, il va rentrer sur le côté à ta place. Naofel, tu vas passer en 10. Et Antoine va re-rentrer à sa place en piston. Sur un côté. Non. Là, Naofel, en 10, je veux que tu fasses comme Ilyes y faisait. Tu récupères le ballon, tu distribues. Mais je veux que les gars, vous vous appuyez un maximum sur Naofel. Naofel, là, l'avantage qu'on a, c'est qu'il garde facilement le ballon. Là, quand il va avoir le ballon, c'est un peu comme toi. En fait, vous avez une faculté à garder le ballon, vous vous en servez, c'est très bien. Mais là, ce qu'il va vraiment falloir qu'on fasse, c'est que dès que les milieux passent le ballon à Naofel, ou même les attaquants, je veux vraiment que les pistons... Ils sont pas là, mais ils le savent. Ils se rendent disponibles. Ils partent dans la profondeur. On la remet. Et soit ils centrent, soit ils la remettent en retrait. Ok ? Je veux vraiment qu'on s'appuie là-dessus. Sur les côtés, les gars, ils sont pas rapides. Vous les bouffez en vitesse. Vous les avez bouffés en vitesse du début à la fin. Donc là, si on arrive vraiment à faire ça, on le fait pas tout le temps, bien évidemment. Des fois, tu te retournes et puis tu distribues devant si tu vois que tu es seul. Mais là, les deux Nathan, communiquez vachement avec lui. Ok ? Vous lui dites seul, ça vient. Enfin, vous lui dites, vous le prévenez de tout ce que vous voulez. Mais faut qu'on distribue un maximum. Tu l'as bien fait, Ilyes. Là, tu sors pour souffler. T'inquiète pas, tu vas rentrer, t'en fais pas. Mais faut qu'on joue un maximum. Enfin, faut qu'on joue là-dessus un maximum. Ok, on l'a pas assez fait, je trouve, en première mi-temps. Je veux vraiment qu'on le fasse un maximum en deuxième mi-temps et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Tu re-rentreras. On va essayer de te faire re-rentrer par ici. Mais après, peut-être que ce sera là. Après, t'es à l'aise un peu partout, j'ai remarqué. Donc.
c'est un bon point. Ok. Allez les gars, continuez comme ça. Puis c'est très bien, continuez les gars, continuez. Yeah.